L'esprit de Noël, malgré la crise, l'opération pour Noël, j'achète à Digoin démarre ce vendredi pour soutenir le commerce de proximité à l'approche des fêtes. Jusqu'à dimanche, les commerçants proposeront leurs offres dans un centre-ville au son et aux couleurs de Noël. Objectif de la municipalité, inciter les Digoinais à pousser la porte de ces boutiques pour y faire leurs achats de fin d'année. Autre temps fort de ce week-end, le marché de Noël, place de l'Hôtel de Ville. La municipalité accueille une quinzaine d'artisans et producteurs locaux dans le respect des règles sanitaires. Deux chalets seront notamment consacrés au Made in Digoin. Faïencerie, manufacture, laboureur, Neuville Impression, des cadeaux 100% locaux pour la bonne cause. Les quatre industries de la ville ont choisi de reverser une partie de leurs bénéfices au Téléthon. Ces bénévoles assureront la vente de leurs produits ce week-end. Côté technique, c'est une véritable prouesse qui a été réalisée grâce aux agents de la collectivité. L'ensemble de ces services se sont démenés pour préparer en un temps record l'installation des chalets. Enfin, les riverains du centre-ville sont invités à illuminer ce samedi leurs fenêtres et balcons à partir de 17h. Une magie de Noël qui sera la bienvenue afin de donner aux visiteurs un peu de baume au cœur à l'approche des fêtes. Une évolution préoccupante, c'est le constat de la situation sanitaire dans le département de Saône-et-Loire. Selon les chiffres de Santé publique France, 455 personnes sont atteintes du Covid-19 ce jeudi soir dans les établissements de Saône-et-Loire. Un chiffre qui stagne depuis maintenant 10 jours et laisse de moins en moins présager une baisse subite avant les fêtes de fin d'année. Alors que 32 personnes sont soignées dans les services de réanimation du département, 21 décès de plus sont à déplorer en une semaine, ce qui monte à 586 le nombre de morts du virus dans les hôpitaux depuis le début de la crise en mars dernier. Plus que jamais à l'approche de Noël, faites comme notre cigogne digoinaise, respectez les recommandations sanitaires. Pour vous protéger, vous et vos proches, continuez à respecter les gestes barrières, y compris en famille. Suite au déménagement de la trésorerie à Charolles, décidé par la direction des finances publiques et dans l'attente de l'installation d'une permanence qui se tiendra à compter du 22 janvier en mairie, vous pouvez contacter la trésorerie pour toutes vos demandes au 03 85 88 29 09. L'espace jeunesse rouvre ses portes pour Noël. L'équipe éducative accueillera les enfants à partir du CM1 du 19 au 23 décembre de 13h30 à 18h30 dans la limite de 24 jeunes par après-midi. Pas d'accueil libre. Au programme, ping-pong, activité manuelle, escalade. Tous les renseignements sur le compte Facebook de l'espace jeunesse, espace jeunesse Digoin. Les personnes n'ayant pas la possibilité de remplir le formulaire peuvent envoyer un SMS au 06 03 24 73 85 afin que l'équipe puisse vous recontacter. Et pour finir ce dernier flash de l'année, terminons sur une note de gaieté avec quelques images de nos structures municipales qui, malgré le contexte si particulier, ont tenu à fêter Noël. L'ensemble de nos agents ont souhaité de bonnes fêtes de fin d'année à nos bambins comme à nos aînés. Prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d'année.